Bonjour à tous et à toutes. On est au site des étangs de la Minière. Et voici, on peut trouver la prêle. C'est une plante comestible et médicinale. On mange les tiges, évidemment. On a aussi des carottes sauvages mangées en salade. Et voilà. Il y en a plusieurs là à côté. On voit aussi des plantains lancés au lait. Et voilà. Ce sont des plantes comestibles. Au bord de l'étang Braque et l'étang Moulin à Renard, on peut trouver des orchidées sauvages. Jusqu'à présent, j'en ai trouvé 5 espèces tout autour du site des étangs de la Minière. Et voici, c'est une Epipactis helleborine. C'est magnifique. Il y en a plusieurs. Voici une plus petite. Alors, je vous rappelle qu'il ne faut pas arracher, ni déterrer, ni essayer de les prendre, parce que c'est une. Ce sont des orchidées sauvages protégées par la Convention de Washington. Alors, je vais essayer de faire du gros plan. Il y en a une autre là, tout au bord de l'eau. Elle est magnifique. Mais elle est petite. Petite. Je ne vais pas m'aventurer d'aller sur une des feuilles de la veste. C'est une plante comestible. C'est, comment dire, elle a un goût comme des haricots verts. Alors on voit très bien une ou un, je sais plus. On voit. C'est très très joli. Alors la fleur, elle fait environ 1,5 cm. Couleur très discrète. Et en dessous, on peut voir une araignée. C'est super. Là, on est à l'étang du Moulin à Renard. C'est calme, paisible, c'est très joli. Voici une orchidée sauvage. C'est une
Epipactis elliborine. Elle est trop, très jolie, elle est en fleurs. Et elle fait environ 1,5 cm. Toutes les orchidées sont protégées par la Convention de Washington. Alors, il ne faut pas les arracher ni déterrer, ni essayer de les prendre. C'est magnifique. Magnifique, c'est très très joli. C'est une orchidée sauvage. Toutes les orchidées sauvages sont protégées par la Convention de Washington et concernent dans le monde entier. Cette orchidée, c'est une Epipactis elliborine. Et on est au site des étangs de la minière. Elle est magnifique. Et voici une molène. Une molène, attendez. Pulvérulente. Alors, il ne faut jamais essayer de faire ça. Ça détruit la nature. C'est tout cassé. C'est pas bien ce qu'on a fait. Hein? Il y a 2-3 jours, j'étais venue. Elle était magnifique. Il ne faut jamais faire ça. Un petit champignon, je sais pas ce que c'est, et c'est un champignon couleur orange. Ça doit être comestible, mais ça je suis pas sûre. On voit des traces. Voilà.